petit seuil, Bismarck. Un petit seuil. Bon, on va jusque chez vous. Oui, bon, bah, très bien. dans la chambre. Là, ici, la chambre, c'était jamais ouvert. Il venait faire le ménage. Il y avait une gouttière. Il y avait une... la table de grain qui était tombée du grenier. Hein? Il était, oh, comme ça. Il était poussé dans la chambre. Galfred, il dormait. Les pigeons qui faisaient les crottes? Non, il est en train de dire qu'il y avait des grains qui étaient tombés. Ah oui, des grains de blé. Quoi. Des grains de blé qui étaient tombés, mais pour te dire que le ménage n'était pas fait. Il ramassait pas et le blé, il avait germé. Il y avait même la valeur d'un grand son. Ah oui. Et le blé avait germé. Ah oui. Dans la maison, pour te dire la propreté. Ah oui. Ah, ils étaient crassous. Hein. Ah oui, puis ça a grandi la cour parce que ce matin, l'autre là. Ouais. C'était jamais ouvert. Non, mais il y a un endroit comme ça. Ouais. Testiment, là, c'était le caniveau, ça. Mmh. Eh ouais. Ça va, votre femme? Oh oui, oh, bah, ça va. Elle a la patate? Et derrière, j'avais été voir avec Omer. Il m'avait montré par derrière où notre arrière-grand-mère aimait, oui. Le guet, oui. Venait laver son linge. Avec... La voir. Non, il brossait le linge avec Madeleine, qui habite. Mais alors, Madeleine, elle était souvent. Quoi? Souvent, elle a tombé dans les... Là, il faisait du vent. Il faisait du... Elle disait que c'était le vent. Oh, elle n'a jamais parlé, mais ouais. C'est vous qui dites ça. Mais vous vous rappelez de mon grand-père, Yves? Yves? Comment que c'est ton nom? Pocro. Ah, bah oui. Yves et Marie-Jeanne. Oui, oui. Fais tourner le monsieur, parce qu'avec le soleil, il a les yeux ouais. Qui... Avec le soleil dans la... Bah, oui, c'est il fait pleurer les yeux, oui. Donc, Omer, il se rappelle bien de... C'est Doucé ou Joucé, c'est un nom comme ça. Ah, sa femme, la candelle. J-O-U-G-E-T. Tiens, voilà Madame Berthe. Ah, c'est dit, tiens, elle dit mon mari, là... Mon mari, il a trouvé du monde à parler. Oui. Bah oui, hein. Bonjour madame. Alors, voilà, en fait...